Derrière moi, j'ai un système de sécurité ultra avancé. Et ça, bah, c'est une mallette de billets bien remplie. Celui ou celle qui l'attrape en premier la gagne. On est chaud! Let's go! Ok, ok, mettez volant, volant, volant! Non, j'ai oublié ma Bon, je vous vois, les gars. Hein. Quoi? On est déjà démasqué? Kiki! Ah, oulala! Si tu perds une vie dès le début, Kiki, baisse-toi! L'objectif, c'est que vous devez vous faufiler, vous faites tout ce que vous voulez du moment que vous touchez pas le laser, c'est bon. Et il y a un blaster à récupérer. Un blaster pour blaster? Ça pourra vous servir plus tard. Merci à Zuru Toys de sponsoriser cette vidéo. On vous en reparle un peu plus tard. Qui est le premier à s'élancer? Kiki! Attends, il y a la fumée, il y a la fumée qui arrive, regarde, regarde, ils vont super loin. Est-ce qu'il va de suite perdre une vie, un petit cœur ou pas? Oh, c'est bon ça mon Kiki. Qu'est-ce que je fais là? Oh, tu vas buzzer. Attends, Kiki, fais gaffe, hein, t'as des lasers partout là. Non mais deux secondes. Arrêtez de crier. Mais le blaster, tu le prends pas? J'ai oublié. C'est le pire de l'équipe. Regarde-moi ce saucisse. J'ai réussi. Oh, direct. Allez, buzz. Oh, je suis en tachycardie complète là. Mes fesses ont rasé 37 fois le laser. Récupérez vraiment le blaster Zuru qui est au milieu. Hein. Si vous le récupérez pas, vous êtes vraiment dans la mouise pour la suite. Hein. Vas-y, va prendre le blaster. Je rase le sol. Attention Mel, hein. Je regarde. Hein. Mais Mel, elle est plus bactère. Mel, elle a choisi la technique du rampage extrême. Il y a quoi comme marge là? Bang, bang, bang. Attends, mais il y en a même là. Ils vont super loin. T'as au moins 10 cm de marge. Dès que tu sortiras, t'as un laser vert à 30 cm au-dessus de ta tête. Hein. Mais fais gaffe. Hein. Oh punaise, je l'avais pas vu lui. Ils sont déjà en galère sur le niveau 1. Du coup, ça va être très compliqué pour les niveaux d'après. Regarde sa tige comme ça, on dirait le poisson de Nemo, on dirait le poisson lanterne. Hé hey Clem, tu vas pas nous la faire à l'envers là. Si les deux zigotos ils ont buzzé premier niveau facile, pour toi ça devrait être une formalité. Moi j'ai peur, guette le truc. J'ai demandé du M. Vous voyez ce bouton là, ce buzzer? À n'importe quel moment j'appuie dessus, il y a des gardes qui arrivent et qui vous désinguent. Quoi? En attendant, vous m'embêtez un peu trop, moi j'appuie là-dessus. Ah non, non, non. D'accord. Les mots, les mots. Allez Clem. Allez mon petit Clem, fais le crapopo. Ok Clem. Crapopo. Wow. Mais t'es chaud, qu'est-ce qu'il fait? Mais regarde, il tient son pantalon. Mec, prends. Ça fait quoi si je pète sur le laser? Mais il joue avec le feu. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais c'est crapopo. Les gars, il y en a un autre là. Devant toi, devant toi. J'ai envie de me servir de mon buzzer magique qui va appeler les gardes. Je leur laisse quand même une petite chance, je leur laisse des blasters Zuru. Comme ça, ils pourront se défendre si les gardes arrivent et qu'ils les canardent. Vous réagissez dès que j'appuie sur ce bouton, d'accord? Vous les désinguez. On va voir comment ils vont passer ce truc-là, parce que là, ça c'est extrême. Ils vont devoir bouger à l'intérieur. Oh non! Tu veux qu'on saute là? Mais c'est trop dur! Comment ça c'est trop dur? On est qu'au niveau 2, il y en a 5. C'est quoi notre plan? Il y a des blasters là qui sont par terre. Là, j'en ai deux. Quoi, non. J'ai une idée. Il y en a un autre là-bas, faut aller le chercher. Allez, j'y vais. Elle lui a tiré dans le fiac. Oh. Attention. Comment tu vas passer là? Attends, déjà, je vais faire passer mon pistolet. Oh. Et là, je vais rejoindre le pistolet. Attends. C'est bon? Non, ça a touché. Non. Il y a le talon qui a touché. Replay. Oh non! Hop là! Je prends ton cœur, je le broie comme ça, je le mets par terre. On peut tirer sur le maître du jeu ou faut pas trop énerver? Vas-y, vas-y, tire! Non, vas-y. Non! Vas-y, vas-y! Un grand merci à Zuru Toys de nous avoir fourni ces Hickshot Fast Fill Skins. Ouais, tu veux savoir pourquoi ils s'appellent comme ça? Ces blasters vous permettent de blaster en toute précision. Sur vos amis... C'est pas le moment! Ou vos ennemis... Le skin rend votre blaster plus beau que jamais et est disponible dans une variété de skins différents. Regardez comme ils sont beaux. Non mais je suis pas d'accord, c'est moi qui me prends tout alors que c'est à cause de sa faute. Non, pas eux, les blasters. Vas-y Redmond, comment je suis tout mouillé. À court d'eau dans vos blasters? Pas de soucis, avec les Fast Fill Skins, on peut recharger en moins d'une seconde.
De quoi décourager tout individu tenace et audacieux. Arrêtez, arrêtez! Évidemment, les blasters de Zurutoy, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau colorée comme nous. Vous pouvez blaster à volonté pour se faire des petites parties où on se désingue, c'est très très cool. En tout cas, un grand merci à Zurutoys de nous avoir sponsorisé cette vidéo. Idéal pour une partie en plein air, en famille ou entre amis. Si tu veux soutenir la chaîne et en voir plus, clique sur le lien dans la description pour voir ces petits bijoux. Vous avez perdu une vie. Mais... tu sais quoi? Je te laisse tes deux tétés. Non! On va pas se laisser faire. Ils sont commando, je vais me faire tous les lasers. Allez mon kiki! Tu peux le faire, tu peux le faire! Olé! Oh, attention! 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 Je vais le laisser terminer, mais il a touché. Comment je fais pour sauter là? Allez kiki! Oh, il a touché! J'ai réussi? J'ai vraiment réussi? Il a touché deux fois les lasers, donc je suis gentil, je t'enlève qu'une seule vie. Je te mangerai, Kiki! C'est bon, je me casse. Notre meilleur élément a fail. Le deuxième meilleur élément a fail. Let's go, évidemment, il y a Mel qui va réussir là, on est d'accord? On est horrible. Je suis sûr et certain que t'es capable de réussir. Tu sais pourquoi? Parce que je suis le cerveau de la bande. J'aurais pas dit ça. C'est parce que t'es plus petite qu'eux. Eux, ils ont tous touché parce qu'ils étaient trop grands. J'ai une technique, j'ai un truc. Regarde, tu vois là, tout n'est pas plein de lave. Donc en fait, je vais passer là, je vais faire tuk 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 tuk, petite souris. Techniquement, il a pas dit que tout le sol était plein de lave. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Allez, t'as touché! Non, j'ai pas touché! Même ta triche, elle a pas marché! Elle a pas touché! C'est quoi ce truc sur ta non, tête là? Non, 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 c'est pas. C'est quoi ce truc vert sur ta tête là? Ah, oui, non. C'est ma barrette qui reflète. Ah ouais, c'est ta barrette. Oh, t'es cuit! Vite, les gars! Je dois avouer un truc, c'est que t'es peut-être pas la plus forte d'entre eux, mais t'es la plus maligne. C'est qui le deuxième plus malin? Y a pas de deuxième plus malin. Ok, là on rentre sur une dimension assez acrobatique, ils vont devoir se suspendre et faire tout simplement un parcours sans toucher le sol en utilisant tous les obstacles et tous les agrès. C'est de l'escalade clairement, c'est un vrai mission impossible, ils sont morts. C'est quoi le cœur qui kiffe t'as sur la poitrine là? Il a recollé un cœur le gars. Comment il est où le laser? Non mais arrête. Bah là on est tous morts là. Il va falloir que juste de mes petites méninges là pour trouver une faille dans le système. Pour ceux qui ont perdu prématurément une vie, vous allez avoir le droit de récupérer une vie que je vais poser là. On l'a pas fait. Vous avez le petit cœur. Celui qui le récupère en premier gagne une vie. Ok, attendez. Là j'ai un peu de stress. Est-ce que je continue à être l'être le plus malin de la vidéo? Mais non. J'ai compris. Mais non. Mais non! Oh non! Putain, mais elle déjoue toujours mes plans! Mais Mel! Elle m'agace! À chaque fois, elle trouve un moyen de contourner les règles du jeu. Regardez comment j'avance! Olé! La vie que t'as gagnée, à tous les coups, tu la perds là! Touché! Oh, oh purée de pois chiches! T'es sérieuse? Oh, elle fout la race! Mais non! Bon bah elle a chopé le cœur les gars, vous êtes pas deg, c'est la seule à trois cœurs pour l'instant. Non, c'est un petit peu, ouais. Je récupère mon dû, tu m'en veux non. Pas. Non. Mon petit cœur brisé. Allez j'y vais. Clément, c'est facile par rapport à Ninja Warrior ce niveau-là. Bah en fait j'ai peur de pas atterrir bien sur le cube là et de repartir en arrière là. Allez mon Clem. Mais c'est quoi ce délire? Allez, le deuxième. 3, 2, 1. Ça rendait exactement comme ce que je me suis imaginé dans ma tête. Oh mais c'est ça que j'aurais dû choper. Allez, 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 allez. Wow. Ouais. C'est trop stylé. Et moi, il n'y avait plus de cœur sur le passage. Allez, Kiki. Il n'y a plus de stratagème là, mon petit Kiki. Hein. Viens là, je te chope par le callback. Mais j'ai des grandes gambettes, comment tu veux que je fasse ça? Ok, Kiki, c'est pour ta vie. Joue le jeu, joue le jeu, joue le jeu. Allez. Yes. Allez, tu sais le faire. Allez, mon Kiki. Je louche sur le laser, j'arrive pas à voir où il est. Kiki, faut que tu te projettes loin, 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 loin. Sur ta droite, sur ta droite, sur ta droite. Oui. Ouais. Putain, c'est beau, ça. Touche pas, t'es malade ou quoi? Mais je vois pas où il est, je floute, il est flou. Allez, mon Kikou. Allez. Allez, terre. Non. Allez, terre. On a perdu notre Kikou national. J'ai trop les merde, merde, merde. Une minute d'applaudissements comme au rugby pour notre cher Kiki qui est voilà. Dead. Moi j'ai fait une minute de... Tu t'es bien battu. Ok, attends. Oh non, Kiki. Oh merci. Et mes règles du jeu, elles vont se faire foutre. Oh toi, oui, oui, oui.
Là, on rigole plus, les gars. Avant d'accéder au niveau ultime pour récupérer la mallette de cash, ils vont devoir passer par cet escalier complètement piégé. Bon, et j'ai laissé un petit bonus sur le chemin. Vu que t'as réussi à me brain sur tous les parcours parce que j'étais moins malin que toi, là, c'est plus possible. Et pour déstabiliser Mel, on va appeler quelqu'un qu'elle connaît bien. Merde, je crois qu'il appelle mon père. Oh, ma femme! Bon, du coup, c'est mon beau-père, donc faut pas que je fasse le malin, mais en même temps, je vais lui mettre la pression un petit peu. Ça va, mais y a pas de pression à mettre, hein. Non, non, mais à ta fille, pas à toi. Si elle réussit à faire la quatrième épreuve sans toucher les lasers, toi, tu prends le matos de pêche de tes rêves. Oh my god, ok, papa. T'as intérêt de réussir, hein. Et en plus de ça, ça donne une place en finale à Mel pour qu'elle gagne le pactole, parce qu'à la fin de la vidéo, elle gagne une mallette remplie de billets. Oh, Charles, t'as intérêt d'être indulgent. T'es prête, Mel? Allez, go. Ton père te regarde. Moi, je pense que je vais pas aider les gars et que je vais ramasser le miroir, même si je le utilise pas. Mais Mel, Mel, elle a récupéré le miroir. Est-ce qu'on dirait pas genre un asticot? Attends, ça bouge, hein? Oh, tu la sens là, la canne à pêche qui arrive, Eric. Allez, concentre-toi parce que c'est pas fini là. Non, mais c'est trop, frère. Ma lumière a failli passer. Voilà, fais vraiment attention là, je regarde tout, hein. Attention. Okay. Moi, j'ai une grâce féline. Ok, t'es pas loin là. C'est quoi ce piège? Allez, Mel. Il y en a plein que je vois pas. Je sais pas comment ils vont faire, les gars, mais j'aimerais pas être à leur place, quoi. Oh là là! Elle est en train de renvoyer tous les lasers avec son miroir. Balance le miroir! T'es mort! Oh, c'est juste là, ok. Allez, Buzz, attention! Le dos! Les fesses! Oui! Tété, regarde, regarde! À quel point elle était short! Je l'ai pas vu celui-là. Le père Buffeto, il a gagné la connaissance d'ensemble de pêche, hein. C'est bon, ma fille. Bon, sans miroir, ça risque d'être très très compliqué pour les gars. Avec Kiki! Allez, vraiment le plus bas possible. Là, il n'y a plus d'erreur, hein. Fais gaffe à pas relever les jambes. Oh, j'avais pas vu. Ça est. T'as vraiment la classe quand tu te fais gaffe, ta jambe, le violet. Il a touché ou pas, sois honnête? Non. Je sais pas, mais c'est passé à Ara, mais je sais pas. Je te jure, je le jure. Vas-y, Clem, rejoins-moi, là, il y a de la place. Allez, Clem, tu rejoins Kiki. Attention, il a encore deux vies. C'est le duo de Castagne qui va se rejoindre. Fais gaffe les fesses, hein, fais gaffe les fesses. Regarde la cambrure de Kiki. Oulala, mais qu'est-ce qui se passe, là? Regardez, je crois que c'est Mel. Regarde notre Aknar. Mel, je crois qu'il y a Mel qui envoie des lasers du plafond. Clem, attention, tu frôles. Kiki, tu peux te relever, là. Mais regarde, elle en bouge, regarde. Kiki, est-ce que ton gros boule te trahira? Ah bah peut-être, parce que là, avec mon 95D, ça va être pas, hein. Mais arrêtez de traquenard D! Putain, je suis parano, mais de partout. Mais c'est quoi cet entourloupe, là? Arrêtez! Je vais sortir mon petit technique. On va faire là-bas. Oh! Il a fait une touche, le calibre. Dégage-toi. Regarde comment il transpire. Attention! Ah, ça a touché! Ça a touché! Bah, je fais quoi? Bah, t'as perdu, frère. Le joueur français! Regarde, il a transpiré! Et vu que t'avais plus qu'une vie, je te l'arrache, c'est bon! Voilà. Je peux partir en paix. C'est quoi ta stratégie, mon Clem? Là? Bah, je vais faire pio. Allez, fais gaffe. Après, t'as une marche, t'as encore deux vies, hein. Mec, t'es à une pièce de la mallette de billets, là. Allez, mon Clem. Allez, s'il te plaît. Dernière ligne droite, oui, c'est bien. Voilà. Et Clem est en finale! Bien joué. C'était chaud, celui-là. Tout va se jouer là. Il y a tous les lasers. Ils bougent pas. Il y a la lave, il y a tout. Enfin bref. Et en plus de ça, j'ai mon arme secrète, le petit Roomba. C'est le Roomba laser. Moi, je pense que tout va se jouer là-dessus, hein. Par contre, moi, j'ai une petite question. C'est comment est-ce qu'on va là-bas? Bah, ça tombe bien que tu poses la question. T'as un pied sur une chaise. Et tout simplement que le premier qui touche la mallette de billets la remporte. T'es sûr pour la solidité du bordel là? Pas du tout. Kiki tient les lasers, il bad. Vas-y, tournez vite. Moi je suis full premier degré. Il y a plus d'amitié, il y a plus de rien du tout. Ok, la course ultime entre Clem et Mel. J'ai activé le Roomba en zone de départ, prêt? Il est vers moi. 3, 2, 1. Allez, go, c'est parti. Attention, faut pas toucher, hein. Faut pas toucher, c'est le but. Oh non. Elle est repartie mal, mon copain. Et mec, il va remporter la valise. Allez, Mélanie. Oh yes. On a dit toucher. Pas démonter. Get, bon bah je vous ai cassé une chaise, hein. Je suis extrêmement contente et j'ai tout raflé. J'ai offert des cadeaux pour mon père et j'ai gagné de l'argent. Combien, bébé, j'ai gagné? C'est une fin de vidéo. Merci à ZuruToys. Si tu veux soutenir la chaîne et arroser tous tes potes, clique sur le lien dans la description. Ah oui, et clique sur cette vidéo pour nous voir une heure sans toucher le sol avec des challenges de fou. C'est aussi passé des trucs de dingue dans cette vidéo. Abonnez-vous. Vas-y, Raymond, comment je suis tout mouillé?